Bonjour à tous et bienvenue sur CNM Cooking. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réaliser ce délicieux plat d'hiver, la croziflette. La liste complète des ingrédients se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Elle est disponible également en anglais et en arabe. Pour réaliser la croziflette, nous avons besoin d'un reblochon, d'un oignon, de 400 g de crozet de sarrasin ou nature, de 200 g de crème fraîche et de 4 à 5 tranches de jambon cru. Nous allons tout d'abord préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Nous allons faire bouillir de l'eau avec du sel et faire cuire les crozets pendant environ 15 minutes. Ensuite, nous allons prendre une poêle et faire chauffer de l'huile. Une fois que l'huile est chaude, on ajoute les oignons. On ajoute du sel et on fait revenir les oignons. Lorsque les oignons sont cuits, on les ajoute dans un plat à gratin qui va au four. Nous allons ensuite découper les tranches de jambon en petits cubes de préférence. Nous allons les ajouter par-dessus les oignons au fond du plat. La prochaine étape est celle du découpage du reblochon de façon à obtenir des petits cubes. Nous allons rajouter les crozets une fois cuits et égouttés. On rajoute la crème fraîche. Et on mélange bien le tout. Ensuite, nous allons ajouter l'équivalent de la moitié des cubes de reblochon et on va mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on étale bien la préparation dans le plat et nous allons ajouter du poivre. Et on ajoute les cubes de reblochon restants sur le dessus. Et nous allons enfourner le tout à 180 degrés pendant 15 minutes. Une fois les 15 minutes passées, le reblochon sur le dessus a bien gratiné et vous pouvez servir. C'est un plat qui se mange bien chaud, accompagné d'une salade, c'est parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bon appétit et à la semaine prochaine!